Nous sommes partis. Donc nous revoilà enfin sur la deuxième partie de Dragon Quest 8 Portée, cette fois-ci sur les astuces. Et on va commencer avec quelques petites astuces que j'aimerais bien vous dire. Donc c'est 1. Comment battre en périlleur. 2. Avoir une bonne équipe d'arènes de monstres. Et bah d'autres astuces, hein, je pense bien, dans cette vidéo. Alors, donc déjà, on va se porter à un endroit vraiment assez bien que je vous conseille d'arrêter régulièrement, c'est l'arène des monstres. D'ailleurs, comme petite astuce, c'est de, à chaque fois que vous voulez vous régénérer, aller sur cette église. Donc c'est l'église de la falaise, si je ne me trompe pas. Et ben, elle vous permettra de vous régénérer gratuitement, d'y passer la nuit gratuitement, contrairement aux autres où il faut payer. Donc, alors, on va tout de suite se porter à l'arène des monstres. Voilà. Et on va commencer quelques petits matchs, hein, on va dire. Et dans ce lieu vraiment très sympathique. Alors, chargement n'empêche. Les chargements, il faut dire que dans ce jeu, ça va. Ils sont pas très loin. Parce qu'on avait sur Flatout 2, par exemple. Non, Flatout 1 plutôt, oui. Alors là, il y avait des longs temps de chargement quand même. Parce que moi, moins que son nick. Soirée, je crois que son chargement était assez long pour ce jeu là. Alors, donc on va descendre tout de suite et on va tester un petit mode hein, pendant que vous parlez des astuces qui s'avère vraiment être très sympathique. Hein. C'est affronter sa propre équipe de monstres. Alors, donc on va tout de suite tester ça. Bienvenue au construire la reine des monstres, machin. Se battre contre son équipe, quelle équipe? Alors, les enquilleurs, donc ça je pense que ça va être plus simple. Il faudra combattre lui alors que le combat commence. Donc on va parler d'une première astuce, c'est comment battre Empyrea, car en effet Empyrea est un boss hein, du jeu qui s'avère être vraiment assez puissant hein, quand même faut le dire. Et il y en a plein qui restent bloqués à ce boss. Et moi quand je l'ai fait, vraiment quand je l'ai fait, mais j'ai battu le premier tour. Alors pourquoi le premier tour? Et c'est dans ça que je vais parler, c'est comment le battre facilement ce boss. Alors déjà, c'est pas forcément sur vous que ça va compter. Il faudrait déjà que vous ayez une bonne équipe de monstres. Par exemple ceux-là, mais ceux-là vous ne pourrez pas les avoir étant donné qu'il y en a un que vous débloquerez après l'avoir battu. Donc c'est quand même un peu embêtant. Donc voilà. Il faudra que déjà vous ayez une bonne équipe de monstres comme je vous ai dit à l'instant. Et ensuite, surtout, que, comment dire, vous ayez des monstres adaptés pour ce combat. Parce que oui, il y a des sortes de monstres, je vais dire, parce que c'est pas tous les monstres qui sont adaptés. Parce que par exemple, prenez, prenons par exemple, Octurion par exemple. C'est un monstre plutôt type soin. Et ben, il ne va pas être vraiment utile dans ce combat, dans le sens où vos monstres, ça serait bien qu'ils finiront par mourir un jour ou l'autre, ou alors même s'ils meurent pas, parce qu'ils peuvent très bien se défendre, et ben un personnage de soin sera totalement inutile contre les boss. Parce qu'il ne reste que 3-4 tours. Dans l'arène, oui, ça peut être utile, mais dans, contre les boss, ça n'a pratiquement aucune utilité selon moi. Donc ne prenez pas de monstre type soin, parce que vraiment ce sera. Ce sera vraiment pas très pratique pour lui infliger des lourds dégâts à ce boss là. Âge du mal, oui. Alors, aptitude, on va essayer du gun type. Donc voilà, ensuite il faudra que vous ayez, il serait bien d'ailleurs, deux équipes de monstres. Alors pourquoi deux? Alors une, ce sera plus pour la rapidité et l'agilité. Donc par exemple ceux-là, vous aurez 6 bots Roborg et Skeletoid. Et bien ceux-là je vous le conseille vraiment parce qu'ils ont une technique spéciale, la triple P, et en plus ils font d'assez lourds dégâts quand même, et ils attaquent très rapidement. Donc c'est vraiment très pratique. Hein. Donc vraiment je la conseille. Ensuite, la deuxième équipe, il faudrait une équipe d'attaque, de puissance. Donc, par exemple, et qui font des coups critiques aussi. Donc je vous conseille Steropes, Talos et Arges. Non, Bruntes. Ceux-là, alors Bruntes, vous le trouverez sur un Pichou. Sur l'île d'Ampichou, Arges, non, Steropes, vous le trouverez sur l'île des mini-médailles, et l'autre, le dernier, Talos, vous le trouverez à Neos. Donc c'est Strongs là, il y a Talos pour la puissance, la force, les PV, et les deux autres pour leur puissance, leur force, et en plus leur coup critique, donc c'est vraiment très bien comme escouade à faire pour ce genre
de boss comme ça pour dire. Donc voilà. Ensuite, parler d'une équipe, c'est que prendre pour l'équipe de monstres pour l'arène. Alors que prendre pour l'arène, parce que bon, sachant que à partir du niveau C ou D, ça se corse un petit peu, voire même dans le niveau D, voilà, à partir du niveau D, l'arène commence à se corser et augmente la puissance des monstres intérieurs de l'arène de plus en plus, et ça, c'est ça va devenir vraiment un peu dur. Donc pour le rang C ou D, je vous conseille déjà, je vous conseille pas Ashila. Alors pourquoi pas Ashila? Parce qu'à votre niveau, il sera encore un faible par rapport aux monstres que vous pourrez trouver. Donc je vous conseille Capet, Crobidou et comment s'appelle-t-il lui? Et peut-être un monstre de type soin, donc Speak, que vous trouverez en bas sur l'île près de Picam. À l'ouest, je pense, ouais, vous trouverez Speak, donc il peut utiliser multi-soins et l'attaque est plutôt moyenne, donc ça peut vraiment être très pratique pour ce genre de match, dans le sens où il attaque et en même temps il soigne, donc ça peut vraiment être très 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 utile, surtout pour vous dans ce genre de match où quand même ça commence à devenir un peu dur, parce que le rang F, le rang E et ce qui est après, c'est vraiment super simple à faire, donc même pour le premier rang, vous pourrez garder votre première équipe de monstres que Mori vous a donné, là vous a demandé de chercher, et vous n'aurez aucune difficulté. Après, pour le rang C, chercher un peu de monstres un peu évolués, va-t-on dire, et surtout essayer d'aller sur des nouveaux terrains que vous aurez débloqués un peu plus tard. Et pour le rang B, il n'y a pas que de rang B. Il vous faudra Mundo Macho, s'il se trouve vers Argonia, déjà Mundo Macho pour décuplo, et deux autres choix, donc Talos, oui, Talos vous sera très très utile à votre niveau, et après le troisième, vous choisirez. Après, pour le rang A, ça devient un peu plus dur, parce qu'il vous faudra Médoc, pour le rang B ou pour le rang A. Je crois que pour le rang B ou A, je ne me souviens pas très bien, il faudra Médoc. Donc c'est pour rang B, je crois, je suis pas sûr. C'est un guérisseur qui se trouve du côté, après avoir battu Domagus, du côté d'Arcadia. Et il vous le faudra impérativement parce que lui, il soigne et c'est vraiment ce dont vous aurez besoin de votre équipe, parce que l'attaque le sort multi-soin de Speak devient plus très utile, dans le sens où Médoc peut faire soin complet. Et ça, c'est vraiment très pratique dans ce genre de situation. Surtout que vous allez sûrement pas réussir du premier coup. Ça, c'est évident. Parce que quand même, ça devient vraiment très très complexe ce genre de combat après. Donc, vous voudrez vraiment choisir bien vos monstres et la tactique qu'ils auront, vos monstres aussi. Et ce que je conseille, c'est surtout ne prenez pas d'escouade, va-t-on dire, de monstres. Alors, pourquoi ne prenez pas d'escouade de monstres? Parce que là, les escouades de monstres dans l'arène sera pas forcément très pratique, dans le sens où il n'y aura pas de soigneur forcément dedans. Alors qu'à partir du niveau B ou A, ou même C, hein, il vous faudra surtout un soigneur, sera un des membres les plus importants de votre équipe. Parce que sinon, je ne vois pas comment vous y arriverez. Donc faut vraiment pas prendre les escouades. Les escouades de monstres, hein, comme par exemple les trois robots, ou Mazin, par exemple Mazin, vous servira à tous les levels, vous les battrez pratiquement tous, sauf en S où une fois sur deux vous pourrez le vaincre. Et ben Mazin, c'est l'escouade à conseiller. Et les trois petits robots, ça peut gagner le rang A maximum. Donc voilà, après les autres escouades que j'ai pas citées, faut mieux pas trop les prendre, dans le sens où vous préférez avoir un médecin avec vous, sera vraiment beaucoup plus utile que ça. Donc voilà. J'ai parlé un peu de ça. Maintenant, le rang S. Le rang S, vous n'êtes pas forcément obligé de le gagner avec Mazin. Vous pouvez aussi le gagner avec Skeletoid. Parce que j'avais ça dans une autre vidéo, hein, dans YouTubeur. C'était Skeletoid. Parce que Skeletoid par la vitesse, j'ai testé, oui, il a bien raison, hein, quand même. C'est vraiment très pratique comme truc. Il faudra Skeletoid par la vitesse, l'agiter, la puissance. Donc ça recoupe un peu tout en un. Mais Octurion pour les soins. Et le dernier, ce sera plutôt quelque chose du genre style Arguez, je pense. Non, Arguez, bon, peut-être un géant, enfin un monstre qui peut faire des coups critiques, d'après moi. J'ai un peu remodifié la version, mais d'après moi, c'est ça le meilleur truc à faire. Dans le sens où vous pourrez battre le gland de Mercure à la fin, en faisant des coups critiques.
et que vous pourrez aussi infliger des leurs dégâts et vous soigner. Donc ça peut vraiment être vraiment très très pratique. Donc je connais vraiment cette escouade, enfin cette escouade, même pas une, mais bon, quand même, elle est vraiment très efficace. Voilà, les tensions du bureau revient à la normale, du bureau, du bourg revient à la normale. Et on va parler d'un petit dernier sujet, hein, parce qu'il faudra bien que je trouve un sujet quand même. C'est, je voulais faire un petit truc, c'était vous donner un nombre. Alors un nombre, dans les commentaires, n'importe quel nombre, un nombre à trois chiffres, et en fonction de ce nombre, ce sera un jeu que je devrais tester. Même si je ne me plaît pas, même si je n'ai aucune envie de le tester, même si je le déteste, même si je n'ai jamais joué, faudra que je teste. Il sera obligé, il sera forcé, parce que ce sera écrit dans le commentaire, tout, je ne devrais pas faire de triche ou de trucs dans le genre. Donc ça pourrait être sympa, dans le sens où je n'ai pas vu des gens faire ça avant, non, sur YouTube, non, je pense pas qu'il ait vu des gens faire ça avant. Donc, j'espère que ça va faire à certains, surtout, et à certaines aussi. Donc voilà. Ensuite, je compte aussi faire une sorte de série sur ce jeu-là, Dragon Quest 8, où bah, je vais peut-être combattre des boss comme ça au fur et à mesure, et que bah je vais un peu avancer dans l'histoire au fur et à mesure avec vous là, avec la caméra, tout. Ça montrera un peu le jeu en comment dire, en grande version pour ceux qui ne l'auraient pas ou qui ne le connaîtraient tout simplement pas. Donc ce serait vraiment un truc sympa à faire. Voilà, donc alors je dois, alors ah, j'ai du mal, ah oui, c'est de ça que je voulais vous parler. Revenons sur Empyria pendant 2-3 minutes. Empyria, même si je dis pas très qu'elle est de mon côté beaucoup, elle a une défense extrêmement élevée, donc vos dégâts normaux n'infligeront même pas du 15. Donc il faudra impérativement que vous soyez muni de capacités qui peuvent l'anéantir. Donc capacités qui veulent l'anéantir. En gros, je parle de coups critiques. Alors, comment avoir des coups critiques faciles? C'est simple, la hache ou la lance. Alors, pourquoi la hache ou la lance? Parce que la lance peut faire tonnerre divin. Et la hache peut faire éclair exécuteur. Et la lance, tonnerre divin, éclair divin. Et ces deux trucs-là, c'est des aptitudes qui vous permettront de faire une fois sur deux ou une fois sur quatre, bref, je ne souviens plus, en tout cas, avoir une chance de faire un critique sur un monstre beaucoup plus souvent. Et vraiment, Empyria, faut vraiment pas chercher trop à la bourriner, va te dire, faut plutôt chercher à lui faire des coups critiques. Ce sera beaucoup plus simple de la tuer. Et si vous avez déjà la version améliorée de ces deux aptitudes, ce sera du gâteau. En plus de votre équipe de monstres, elle sera vraiment très très simple à battre. Parce que ce que j'ai fait, moi, j'ai battu en... J'ai invoqué mes deux équipes. Après, il m'a resté deux tours et elle est morte. Donc le PV, les PV sont pas trop grands pour votre niveau. 1700. Et sa puissance, même si elle peut vous infliger beaucoup de dégâts, ça peut aller dans le sens où elle vous enverra des vagues d'énergie. Que quand vous invoquerez vos équipes, donc ça ne fonctionnera pas avec l'énergie, et que ça lui fera louper un tour de ces deux tours valables en un tour. Enfin bon, bref, j'espère que vous avez compris. Et donc la vidéo touche à sa fin, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou même série sur Dragon Quest 8 très prochainement et à venir. Quand on a juste des maléfiques dites et des vidéos.
No.